Je sais que vous attendez ça depuis des jours. Nous sommes en direct ce soir du circuit de l'Arizona pour assister à l'une des rencontres les plus attendues de l'année. C'est un véritable arsenal qui se trouve sur la piste. Ce qui ne peut vouloir dire qu'une chose, c'est l'heure de la course-combat. Cramponne-toi à tes enjoliveurs. Je suis champion en course-combat. Essayez de me suivre, d'accord? La course commence! La ligne d'arrivée est dans cette direction! J'ai l'impression d'avoir de nouveaux freins! Alors ça, c'est de l'accélération! Oui! Allons, il y a une mine routière sur le circuit! Et c'est passé la dépanneur! On montre à tous une figure classique! Vite m'en servir. Bien que je me lance, mais je suis un super jeune d'expérience. Je peux te donner des conseils pour gagner si tu veux. Un peu d'entraînement te ferait pas de mal. Oh oui, attention à ces roquettes. Ça va leur faire du bien d'accélérer un peu. Putain, mais c'est pas dingue. Roquette marquée. Ça va secouer à la réception. Eh oui, ça, c'est la bonne méthode. Si jamais tu fais pas carrière dans la course, tu pourras toujours te reconvertir comme ce Nirvan. Où t'as appris à conduire comme ça? Hé, hey, oh, là, tu dépasses les bornes. Réveiller du bleu gauche ce matin. Roquette lancée. La classe d'entrée. Tu te caches. Je viens pas de te doubler. Quelqu'un a oublié de faire ça. Comme du jour où je t'ai battu. Mais enfin, pourquoi? Oh, tu vas pas être facile à battre. N'apprête pas ces enjeux là vers moi. Très impressionnant, ce Il y a plein de places sur la route, non? Il y a longtemps que je suis pas allé aussi vite. Merci. Ah, quelqu'un a utilisé un limiteur d'arme. Regardez-moi ces nuages de poussière. Oh, tu peux faire mieux que ça. Allez, lance-toi. Ah, il faut que j'essaie. Tu voudrais pas te gâcher ton plaisir. Oh, tous ces efforts pour gagner. Tu
Utilise cette colère pour te motiver. Oh, jolie vue, hein. Je respecte ceux qui ont la classe. Et on fait partie. Utilise les points négatifs pour en faire du positif. Merci. Retirez-vous de ces roquettes. Je crois que je vais faire un don. Mission préférée, je suis Chick Hicks. Ça vous dirait d'étudier un peu Martin? Je n'ai qu'un mot à dire, ce n'est pas le coureur ordinaire. Un peu plus tôt, suite à un retournement de situation, il a perdu pour la deuxième fois d'affilée. Oh, quelle défaite décevante. Chère Nathalie Certain, que pouvez-vous nous dire de vos résultats? Eh bien, Chick, encore une course qui s'est déroulée exactement comme prévu. Mais sur ce circuit et avec ces conditions, l'issue n'aurait pas pu être différente. C'est fini pour ce soir. Rejoignez-nous demain pour une autre plongée dans les coulisses avec le légendaire champion de la Piston Cup, Chick Hicks.